Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais que ça fait un petit peu longtemps, mais on se retrouve sur Satisfactory. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et j'ai hâte de vous présenter mon usine. Et oui, je vais vous montrer l'usine que j'ai créée. Mais attention, je ne l'ai pas créée tout seul. Gros dédicace à Infernal Play qui m'a beaucoup aidé sur cette construction parce que j'avoue que je suis une vraie quiche. Heureusement qu'il m'a aidé parce que sinon ça aurait été la misère. Alors je vais descendre de ma tour, je voulais vous la faire voir vue du dessus comment elle était. Et voilà, encore un grand merci à Infernal Play qui m'a beaucoup aidé sur cette usine. Alors on va descendre tout de suite et pour ceux qui ne le connaissent pas, oh là là le teubé. Mais c'est pas grave, voilà des dégâts gratuitement, facile, pas cher. Et voilà, comme on le voit là, pour ceux qui le connaissent, je pense qu'il y en a certains qui doivent le connaître. Parce que c'est un jeu qui date de juillet 2020, je crois, ou peut-être avant, ou je sais plus, je vous mettrai quelque part dans l'écran. Et voilà, et moi ce que j'ai construit en fait, c'était ça. C'était le début, l'espèce de là où on fait les certaines recherches. Là vous voyez que voilà je suis en cours, j'ai fait déjà le palier 0, 1, 2 machin, et là il faut que j'accomplisse à faire tous ces paliers là pour obtenir ça après, etc, etc. Là vous voyez que c'est un véhicule, une gare routière. C'est un véhicule et il y a un camion, je sais qu'il y aura d'autres choses, il y aura aussi des trains pour ceux qui connaissent le jeu aussi, ou voilà. Ah, il y a le bâton, il est là, ok, d'accord. C'est très intéressant parce que le bâton est beaucoup plus intéressant. Mais c'est bon à savoir. Comment ça se fait que j'ai tout ça? Ah ouais? Bon, bah nickel alors. J'ai tout ça. Ah oui, il faudra après. Bon. De toute façon, je vous montrerai un jour un peu plus en détail les fonctionnalités. Ah oui, je mets toujours la lumière parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans le noir aussi. Mais le jeu reste très bien quand même. Là, vous voyez en fait qu'il y a des recherches. Là, j'ai fait des recherches. J'espère que ça s'est bien enregistré parce que ça me fait peur. Ah oui, j'ai fini celui-là, voilà. Et là, en fait, avec les recherches, on débloque, comment dire, des crafts, etc. Là, je me suis débloqué hier, en fait, ici, voilà. C'est ce que j'allais vous faire voir. Voilà, un pistolet de couleur. Là, j'ai même crafté des cartouches, etc. Et voilà, c'est magnifique. Il y a celui-là aussi. Après, il y a... voilà, il y a des emplacements, il y a il y a plein de choses en fait qui s'offrent à nous. Là vous voyez, vous avez des lingots de fer, là vous avez du béton, là vous avez du fil de... Moi j'appellerais ça du fil de cuivre personnellement, mais là ça s'appelle du fil électrique. C'est voilà, c'est le jeu qui l'a surnommé comme ça, normalement. Ouais voilà, en restant dessus, voilà. Fil électrique. Moi j'appellerais ça plus du fil de cuivre ou quelque chose comme ça, mais voilà. Et on a un joli petit oiseau, un grand oiseau, comme vous le voyez, qui survole. Alors j'en sais pas plus sur lui, j'essaie rien de me renseigner comment ça se fait qu'il tourne à chaque fois. C'est bizarre, ça fait bizarre parce qu'il tourne énormément. Oula. Et il rentre dans mon ascenseur et tout, normal. Ah dommage qu'il y ait un petit bug, c'est dommage. Et là en fait ici c'est le plus gros on va dire. Ici, c'est ce qui permet de débloquer, comme vous le voyez, les paliers 5 et 6, qui nous permet après d'avoir les transports, les camions, qui nous permet d'avoir le train, il y a un train aussi, qui nous permet aussi d'avoir de l'uranium, un peu comme le plutonium dans Retour vers le futur, pour ceux qui connaissent, petite dédicace. Mais voilà, en tout cas, moi j'en suis loin d'arriver là pour l'instant. Actuellement, voilà, je suis vraiment... j'en suis ici, je débute. Et je voulais vous montrer mon usine, faire un petit tour, vous la présenter. Comme je vous l'ai dit, c'est pas moi, je vais pas mettre le succès sur moi, c'est pas moi qui l'ai fait, tout ça. C'est vraiment Infernal Play qui s'y connaît bien. Et je vais essayer de le motiver. Alors si tu regardes cette vidéo, voilà, je te préviens déjà en vidéo, mais je le préviendrai aussi sur Discord. Et on essaiera de faire vraiment plus poussé. Je sais que lui, il a une entreprise... Une usine qui est carrément mieux que la mienne. Moi ça a été vraiment fait, voilà, vous voyez qu'il y a carrément ici des noix. Faudrait que je le coupe l'arbre parce que ça fait dommage, ça fait défaut, mais bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas voilà, je voulais vous présenter cette petite usine qui sera bientôt agrandie encore et encore et encore. Ah, ici ça marche pas, d'accord, il va falloir que je remette quelque chose pour pouvoir comment dire,
Parce que le truc aussi, c'est que les machines fonctionnent à l'électricité. Ah d'accord, ah oui, c'est vraiment coupé, coupé. Ok. Il va falloir que je m'occupe de ça pour pouvoir... comment dire? Pour remédier à ça, parce que là vous voyez que quand ça coupe, en fait les machines ne travaillent plus. C'est dommage, c'est un petit bug en fait qui continue à tourner le tapis, mais en fait il n'y a plus rien qui fonctionne. Là vous voyez que c'est arrêté, comme il n'y a plus de courant qui passe. Normalement ici ça nous le dit aussi, voilà. On le voit qu'ici, bah, de la capacité, de la production, etc., de la consommation et tout, zéro. Il n'y a plus rien du tout, et en fait c'est... Quand on recherche, il faut rechercher la source principale qui est... Attendez. En fait, il y a tellement de fils. Je m'y retrouve pas beaucoup. Mais voilà, en tout cas, je vais chercher cette panne. Je vais chercher cette panne. Je la chercherai après, vous inquiétez pas. Que je la remettrai en route. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous faire une petite vidéo, de vous dire que je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que je suis désolé, je suis pas présent dernièrement, mais j'attends un gros cadeau très prochainement à vous présenter aussi. J'en dévoilerai pas plus, mais voilà, pour ceux qui se doutent, tant mieux. Pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram et Snapchat, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, allez me suivre. Les liens sont dans la description, je mettrai quelque part dans l'écran les espèces de flashcodes et comme ça. N'hésitez pas à venir me parler, comme ça on peut se parler, on peut parler, etc. Enfin, on peut parler de tout et de la pluie du beau temps, et voilà, on peut partager de ce jeu-là si vous êtes vous aussi. Ah, il est ici, ok, d'accord. Autant pour moi. Voilà. Et voilà, ça a remis tout en fonctionnalité. Voilà, vous voyez que ça repart. Et c'est fini la petite panne. Voilà, mais je commence à m'habituer. C'est vrai que ça reste un très bon jeu. Et j'ai hâte de vous faire d'autres vidéos dans l'usine, dans mon usine. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, c'était Joe Scality. Allez, ciao à tous. Tchuss.